tous. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Pop en vidéo. Donc, merci de nous accueillir. Et comme vous avez pu l'entendre, il y a du beau monde. Merci vraiment, c'est vraiment le top. Et il va nous cuisiner un repas, donc du coup, on va dire sain, healthy, avec ses talents de chef cuisinier. Donc, il connaît pas les. Ouais, mais je suis sûr qu'il va bien t'en sortir. Donc, il connaît pas les aliments qu'on a sélectionnés. Et le but, c'est qu'il fasse ça clairement al dente. Alors, est-ce que tu peux... Alors, j'ai mis aussi dans le frigo. Surtout, Étale. Ok. Alors, la base de la base, les œufs. La purée de tomates. Aubergine, brocoli, l'huile d'olive, indispensable, les poivrons, la base du riz, de la moutarde, du poulet, fromage blanc 0%, bien évidemment, et c'est à manger. Du fromage frais, allégé, bien entendu. Riche en protéines en plus. Non, il n'y a pas de bonheur. D'accord. Donc là, le but, comme tu disais, c'est ouais, plat, peut-être dessert. On va faire. Ouais. On va trouver un si tu veux rajouter des épices. Oui, parfait. Et bah, on va voir comment on va se avec ça. Ouais, le brocoli, en fait, tout se mange. Le pied aussi, on va manger le pied. J'ai des choux-fleurs colorés pour l'instant. Ouais. Et après, je les râpe avec, avec un économe. Et donc, ça fait une semoule de choux, mais différentes couleurs. Oh, c'est de là, comme c'est hyper light, donc t'as l'impression de manger. Non, tu manges. Ça, ça fait de la maison en fait. D'accord. Là, tu peux faire ça avec les choux. Non, mais avec le brocoli, ce qui se marie bien, c'est le basilic. Donc, la chose à faire, c'est blanchir le basilic, donc le cuire à l'eau. Et après, on le mixe avec l'huile de pépins de raisin. Et cette mixture, ce mélange, on va l'utiliser pour mixer avec le brocoli. Ça ramène un petit peu de goût différent au brocoli qui est un peu fort, qui peut être un peu fort ou pas agréable. Là, ça lui amène un petit peu de modernité. Vous pouvez goûter. Hein. Ça, le truc, la technique aussi, quand vous faites. Moi, c'est très. Quand vous voulez faire une vinaigrette ou quelque chose, vous le faites réduire, ça fait un caramel. Vous ajoutez du jus d'agrumes dedans, ça vous fait une vinaigrette sans huile. Okay. Bah ouais. Tu mets du vinaigre et du jus d'agrumes. Tu mets pas du. D'accord. Du samouraï, ah, ouais, curcuma et un peu de vinaigre. Oui. C'est très agréable. Ça a de l'eau. Et tout juste avec un brocoli sous vide. C'est voilà, tout brocoli là. C'est incroyable. On peut valider ça, on va se faire les essais. Ouais. Ça c'est des pistagnes, j'aime bien les pistagnes. Ouais, avec le poulet. Ouais, c'est
Et donc du coup là tu vas mettre le poulet au four. Ouais ouais, comme j'en ai beaucoup, donc j'en ai beaucoup pour que ça cuise correctement, donc ça reste juteux en fait, comme ça ton poulet il va pas trop sécher. D'accord. Et l'emballer dans la nuit. Ouais, en plus de riz, l'eau du riz, il y a l'amidon dedans, donc ça va, en fait, ça va lier ta préparation. Donc moi, je fais souvent ça, nous, poulet, riz, légumes, et en fait, je mets pas du tout de sauce. Je mets pas du tout de concentration de tomate, rien. Je récupère l'eau du riz pour cuire mes légumes et ma viande, et après, on met en four du temps. On fait une espèce de tambouille. Soit saisi en extérieur quoi. Ça dépend. Pour que doré. Quand je fais des légumes, je saisis après. D'accord. Tu fais des légumes, des demi-légumes ou des quarts de légumes, et tu mets directement en papillote avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Tu fermes et tu mets en cuisson à 160, ça va gonfler et tous les arômes du produit et tout le produit va rester dedans. Parce que quand on cuit un légume à la poêle comme ça, il y a toute l'eau de végétation du produit s'en va. Ouais. Donc on a une partie du goût qui s'en va, une partie des apports énergétiques, toi, qui s'en vont. Alors que le fait de garder tout en même temps, en fait, et après il va y avoir un jus dans cette papillote, donc tu gardes ce jus là pour manger tes légumes avec. Quoi. D'habitude, je mets de l'oignon. Oignon rose ou oignon. Pour les protéines de poulet ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu mets les œufs là, à ce moment-là. Tu finis avec tes œufs. Tu finis avec tes œufs. Ça te fait un plat, tu mets les œufs dedans. Ouais, ça fait comment bah, c'est une brouillade. Voilà, c'est une piperade. Tu les brouilles avant. Non, tu les mets dedans à cuire. Ça va lier tout. Et après, tu manges comme ça fait tes œufs plus tes légumes. C'est un peu dans le sud-ouest. Ouais, c'est ça, c'est la piperade. La piperade avec les œufs. Pour ça, je vais pas utiliser les œufs parce que je pense qu'on aura assez de protéines, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais moi, je donne une astuce, tu mets les œufs dans tes légumes. Quand tu mets tes œufs, tu mets. Ça fera un plat du soir tranquille. Bah ouais, c'est ça. Le riz est presque. Le riz, je l'ai même pas égoutté en fait, il est resté dans son eau. D'accord. Bah là, Moi j'aime bien le riz taille en fait, j'aime bien le riz un peu compact. D'accord. Ouais. Le garçon sel, c'est pareil, il est bien. Je sais. Comme ça, tu les réchauffes le midi, ouais, tu fais un malade. Non, en fait, le riz va s'imbiber des légumes et du tomate. Putain, ouais. On va être dans la caserne, parce qu'on se rapproche petit à petit, De toute façon, on va pouvoir commencer. On va manger l'entrée déjà, ça c'est bon. Et du coup, là, t'as pas égoutté ton riz et tu vas réutiliser l'eau du riz. Bah non, si j'avais eu besoin, là tu m'avais amené de la sauce tomate. Ouais. Et si t'as besoin, en fait, tu mets ton riz un peu plus tard à cuire. Et pendant qu'il cuit, en fait, tu piques un peu d'eau dedans, tu mouilles, tu. Pourquoi t'as amené de la sauce tomate? Ouais, c'est vrai, pourquoi j'en ai amené? Mais pourquoi? Tu peux laisser tranquille. Ok. Donc un petit feu. On va laisser à 2,5-3 finir. J'attends qu'on mange l'entrée. Il y a le gel.
Ces saumons sont un peu mous, quand tu... Ouais. Même quand tu les manges, les fruits secs, c'est mou. Si tu les passes un peu au four avant, bah, ça va les torréfier. Ça, déjà, ça va demander plus de goût. Et en plus, ça va être croustillant, quoi. Ouais, c'est la pâte de vanille, ça c'est ce que j'utilise au restaurant. Et tu les passes 2-3 minutes au four? Oh, pas mal de temps, hein, tant que ça colore. Hein. Ok. Je crois que je vais investir dans de la pâte vanille. Tiens. Ah, bah, ça coûte beaucoup moins cher que la mousse. La mousse, ça coûte trop cool. C'est pas un con. Chocolat, en fait. Oh mon dieu, l'odeur. Ah ouais, c'est une tuerie l'odeur. Bah, tonka, mon dieu. C'est quoi ça? C'est de tonka. Voilà, tonka. Et c'est tout. Et après, j'ai rajouté. On va rajouter un peu de sucre quand même. Du sucre de fruits. La confiture de prune. Ouais. D'accord. Ouais, c'est moins meilleur que le sucre. Il n'y a pas de sucre, c'est le sucre du fruit. Quoi. Ça, c'est bonne maman ou c'est... C'est bonne maman. La bonne mère. Avec les prunes de son grand-père. C'est vrai. Ouais, avec les prunes de mon grand-père. Alors, il a acheté comment? C'est très bon. C'est très bon. Merci encore Guillaume de nous avoir fait ce bon repas, ce bon festin. Ouais, merci, ouais, à vous, merci à toi. Je t'inviterai aussi. Ouais. À la maison, ce sera moins élaboré. Mais je retiens des petits trucs, comme ça je vais en replacer et tu me corrigeras du coup. C'est ça. Pour le soir inversé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Marie.